Le parcours de Missak et Méliné Manouchian est celui de deux orphelins du génocide des Arméniens arrivés en France au début des années 20 et qui se sont engagés dans la résistance française après avoir connu une période de prolétarisation. Méliné est né à Constantinople en 1913, Missak est né à Adıyaman, aussi dans l'Empire ottoman, en 1906. Ils vont se retrouver dans des orphelinats, mais dans des endroits différents. Méliné en Grèce, à Corinthe, puis à Athènes. Et Missak, lui, a été dans des orphelinats, mais au Liban, notamment à Djouniyeh, avec un de ses frères. Tous arrivent à Marseille. Ils vont s'en rencontrer, en fait, une dizaine d'années plus tard, au début des années 30, dans un mouvement d'obédience communiste. Et c'est au cours d'un gala de ce mouvement qu'ils se rencontrent et qu'ils vont ensuite se fréquenter. D'abord la main-d'œuvre étrangère dans les années 30, puis c'est devenu la main-d'œuvre immigrée. Le jeune parti communiste voit arriver en France des persécutés, des réfugiés, mais aussi des travailleurs. Au lendemain de la Première Guerre, devant cet afflux d'ouvriers étrangers, le parti communiste les organise notamment en groupes de langues. Il y a un groupe de langue arménienne, mais aussi des groupes de langues italiennes, espagnoles, polonais, yiddish pour les juifs d'Europe centrale et orientale. Après l'attaque de l'URSS par le Reich, il n'y a plus de doute, et le mouvement de résistance communiste se déploie. Il avait commencé un peu avant, à vrai dire, mais il se déploie surtout à partir de ce moment-là. Et l'un des groupes qui est mobilisé, c'est justement la main-d'œuvre immigrée, donc qui fait partie de l'ensemble du groupe FTP. Et le groupe Manouchian est en charge de la résistance et de la lutte armée à Paris et dans la région parisienne. Méliné en fait partie, mais pas directement dans la lutte armée. Les femmes participent à la résistance. D'ailleurs, dans le groupe Manouchian, il y a une Olga Bancic qui sera aussi exécutée, elle, en Allemagne, parce que les Allemands n'exécutaient pas les femmes en France. Mais il y a beaucoup de femmes qui aident ces groupes, soit en étant agents de liaison, en distribuant des tracts, mais aussi comme agents de renseignement, en apportant les armes sur les lieux des attentats contre l'occupant nazi, parce que les hommes étaient davantage surveillés. La fameuse ou l'infâme affiche rouge, qui est une affiche de propagande nazie, où on a exhibé les portraits de Missak Manouchian au centre, hein, comme chef de groupe, et de quelques-uns de ses compagnons. Ils ne sont pas tous sur l'affiche. Surnommés l'armée du crime, pour les montrer sous leur jour le plus triste. Enfin, on les a photographiés en prison, hirsutes, hagards, etc., pour montrer, entre guillemets, aux bons français, voyez-vous, qui sont vos défenseurs, qui incarnent la résistance. Ce sont d'horribles métèques qui viennent manger le pain des Français et qui vous entraînent dans un cycle de représailles. Cette affiche rouge qui voulait en faire des criminels, des terroristes étrangers, donc encore plus suspects, ben, on a fait des héros. Peut-être parce que d'abord Méliné a essayé d'œuvrer pour sauvegarder la mémoire de Missak, mais c'est surtout à travers la poésie et la chanson que ce mouvement est entré dans la conscience collective française. La lettre de Méliné a inspiré un poème d'Aragon qui, à son tour, a inspiré une chanson de Léo Ferré, enfin chantée par Léo Ferré, il n'a pas été le seul à la chanter. Et cette chanson sur les 23 donc, du groupe a immortalisé leur action. La panthénisation du couple est importante, d'abord parce que ça rappelle aussi le rôle des femmes dans la résistance, que l'on oublie parfois, donc c'est bien qu'ils soient ensemble. C'est important, ben, je pense, du point de vue de la mémoire française qui rend hommage à des étrangers engagés donc, pour la libération de la France. Bon, il se trouve que là, dans ce cas, c'est un Arménien, mais tout le groupe est reconnu à travers une plaque. Pour la communauté arménienne, c'est important aussi de voir une de leurs figures, une de leurs personnalités reconnues. Ça rappelle aussi l'importance du combat pour la liberté. Et c'est un hommage, alors tardif hein, d'une certaine façon, c'est 80 ans après. Bon, c'est bien après Jean Moulin, mais mieux vaut tard que jamais. C'est aussi une mémoire héroïque et la jeunesse est très sensible aux héros. Et donc de célébrer des héros positifs, je pense que c'est toujours utile.